Et bonjour Marc, bonjour Mika. Bonjour Eric. Nous sommes à J'aime Vinyle, c'est avenue Georges Clemenceau numéro 18, je crois. Tout à fait. Voilà. Et on entame une deuxième année. Je suis ravi vraiment, ouais, Marc, de ces chroniques mensuelles où on te retrouve et où tu nous fais partager ta passion du vinyle. Tu as vraiment de toutes sortes de choses. Et Mika a prévu de nous parler de quelque chose. Mais Marc, si tu veux commencer. Oui, disons qu'il fait tellement chaud. Il fait tellement chaud. Vraiment, c'est la canicule. Alors Mika a eu l'idée de nous parler des tubes de l'été qui ont marqué les années 70, les années 80, voilà. Approche un peu le micro quand même. Voilà. Donc elle va nous parler des tubes, bon, comme par exemple le Bon to be alive, voilà. Patrick Hernandez, voilà. Ça marche encore. Un très bon son. En discothèque, ça. Ah oui, ça c'est encore, c'est voilà. Efficace. Hein. Voilà, je laisse la parole à mon ami et collaboratrice qui, il y a déjà plus d'un an, a fait toute la déco du magasin. C'est vrai. Mika. On le refilmera. Je le refilme parce que c'est très joli. Et tu nous en reparleras à l'occasion. Ce sont des tableaux, comment tu appelles ça, Mika? Ce sont des tableaux végétaux stabilisés. Stabilisés, voilà. Ce sont des végétaux qui ont été déshydratés et réhydratés à la glycérine et qui ont une durée de vie de minimum 10 ans, sans entretien, sans eau. C'est pas obligé de l'arroser, mais ça garde le vert, ça garde la couleur. Ça garde le vert. Ça a été coloré ou c'est la couleur? Ça a été recoloré parce qu'à la déshydratation, ça altère la couleur. Mais c'est recoloré avec des pigments de plantes. Et si on veut ces tableaux, on te contacte. Exactement. J'aime Vinyle et tu le fais à la demande. Exactement. Très bien. Alors, ta chronique, tu voulais nous parler des tubes de l'été. Je voulais vous parler des tubes de l'été. Ah ben, j'ai des clients qui sont en train de les regarder. Thank you. C'est interactif, voilà. Ils sont où? Allez là, voilà, c'est celui-là. Il te les a déplacés. Donc, alors, ce qu'on écoute, c'est Patrick Hernandez. Donc, ça, c'est un fait Born to be alive, né pour être vivant. Voilà. Après, enfin, effectivement, très connu, Laurent Voulzy. 77, cet été-là. J'éteins le ventilo, j'éteins le ventilo au cas où, par rapport au son. Hein. Et tu sais que 77, c'est les premières radios libres. Ah. Et ça retournait en boucle. Ah oui, déjà 77. J'étais à Port-Ruissant, les radios libres, ce disque-là, je travaillais dans un resto à Port-Ruissant, ça tournait en boucle. D'accord. Au collection. Laurent Voulzy, ça c'est vraiment un classique. Voilà, là c'est on a la Bamba qui était connue dans les années 80, mais tiré là c'est film, l'original. Hein, tiré du film. Là c'est l'original de 58. Ouais. Le Sud, nous sommes dans le Sud, Nino Ferrer, toujours incontournable. Bon. Le Slow, tout le monde a dansé dessus. Les Eagles, Hotel California. Oh là là. Voilà. Un peu de disco avec Boney M. Voilà. Banana Split. Ah, Nio, j'avais jamais, mais je connaissais pas cette pochette, noir et blanc. C'est une pochette belge. C'est une pochette belge. Sortie en 79. D'accord. Pochette belgique, premier presse. Et là, tu as la pochette française. Voilà. Ça, c'est la pochette française. Tout aussi en noir et blanc, la photo. Ouais. D'accord. Impeccable. Village People. AMCA. C'est, je crois, une composition française. C'est un français qui a l'origine de ça. Village People. Oui, tout à fait. Voilà, Cool on the Gang, dansant les années 80, toutes les discothèques. Ah, le film, ici, le film de Flashdance et Amicara, vraiment incontournable. Puis après, plein de choses, Macumba. Ah, Madère, disparu, oh là là, disparu. Voilà, ça c'est pareil, les Modern Talking. Ça c'est les mêmes années, remis, d'ailleurs, 85. Quelques années, ils avaient fait des remixes, oui. Modern Talking. Je crois dans les années 90-2000. Not Miss Jen Mass, incontournable, pareil, les mêmes années, hein, 85. Ouais. Image. Ça me fait penser, Marc, à Mylène Farmer qui fait une tournée en ce moment. Est-ce que t'en as du Mylène Farmer? Ah oui, j'en ai. Ouais, t'en as. C'est demandé, ça, le Mylène Farmer. C'est demandé, très demandé. Ouais. Très demandé, ouais. Surtout les pièces rares, voilà. Après, ça part vite, les pièces rares partent vite. Ça part vite, Tu vas voir dans le magasin 3 ou 4 Mylène Farmer, quoi. Voilà. Qui cartonne en ce moment dans ses lives. Elle était à Marseille il y a quelques jours, elle fait des stades. Ça devait être super. Ça devait être super, oui, c'est vraiment gigantesque. Elle fait des shows. Les Gypsy King, oui. Les Gypsy King. 87, voilà, Madonna, ça ne rajeunit pas. 87. Et voilà, 87, Madonna, 89. 89. Voilà, Zouk Machine, c'est pareil. T'es en parlant de Mylène Farmer, la voilà. Ça marche toujours, voilà. Voilà, la voilà. Elle n'était pas bien loin. Voilà, 91, là on est plus, c'est plus récent. Et puis Gala, et puis le voilà. Tu veux qu'on l'intègre encore partout. Freeform Design, voilà, avec ça, l'équipe, de France, encore, l'équipe de France. 1996, on l'intègre encore partout encore. C'est ça, c'est voilà, vrai. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est un presse très rare. Voilà, parce que 96, et tu vois, il n'y en a pas eu beaucoup. Voilà.
D'accord. Donc voilà, donc j'invite tous nos clients ou futurs clients à passer à la boutique pour. Parce qu'ils ont tous, voilà, ils ont tous une raison de venir. Voilà, il y a tout un tube qu'on aime tous, quelque chose que sur lequel on a dansé. Une nuit de folie. Début de soirée. Voilà, de folie. Voilà, j'ai laissé derrière. 88, je me rappelle. Ah, voilà. Et je me rappelle, moi j'étais en colo à ce moment-là. La pochette est magnifique. En 88. Plus, le graphique est génial. Oui. C'est très très beau. Et tout le monde dansait. Ça a vraiment tourné cet été-là. Hein, ce tube. Très bien. Et après, tu vois aussi, on peut les voilà. Il y en a pour tous les budgets. Là, c'est voilà, oui. Voilà. Mais combien il faut compter pour ces disques de tubes de l'été là? On n'a pas dit de prix, mais ça parce que tu variable. Fais une promo. Qu'est-ce que tu fais sur ces là sur les compiles, oui. Sur les compiles, 10 euros les trois. 10 euros les trois. Voilà, d'accord. Tu vois, et dans les compiles, on va retrouver beaucoup des titres qu'on a vus. Voilà, hein. Et voilà. Petite, alors Mika, petit détail rigolo, c'est que sur certaines compiles, c'est enchaîné et il n'y a pas de plage sur les vinyles. D'habitude, il y a un petit trait qui montre la différence des plages. Là, on est sur un vinyle original, voilà. Sans aucune coupure entre les. Voilà, donc le disque est plein. On ne voit pas forcément très bien à l'écran, mais voilà. Donc on l'écoute d'un seul trait, quoi. Exactement. Il y a un sillon. On le passera. Tu veux nous passer autre chose? Allez, pour terminer peut-être. Je crois que je ne sais pas si Marc voulait dire autre chose. Si, Marc, mais il est parti s'occuper des clients à l'extérieur, donc c'est un peu. On est à 6 minutes là. Allez, voilà. Tu peux peut-être couper un peu, ou je sais pas. Eh bien, on voit, d'habitude on fait d'un trait, mais ça, on verra avec lui s'il a autre chose à rajouter. Marc, tu veux rajouter autre chose? Oui, on va parler. Ouais, je pense qu'il voulait parler. Ah, là, t'es rapide, là, t'es trop rapide, non? Ouais, là, t'es trop. Voilà, on reconnaît. Voilà, Désirless, voilà, j'ai mis du temps à reconnaître. Voyage. J'ai dit, mais c'est qui? Tu connais? Automatiquement, tu vois, donc on met les compiles à 10 euros les 3. Après. 10 euros les 3. Donc on va enchaîner avec le rayon nouveauté. Le rayon nouveauté avec une compile, par exemple, tu as vu tout à l'heure, on a vendu Titanic de. Oui, une pièce rare. Voilà, et on a aussi le film là avec Lady Gaga. Là, qui et ce qui est étonnant, c'est que c'était pour un cadeau et la personne à qui ce cadeau allait être offert n'a pas de platine, mais tu dis c'est un investissement, c'est un cadeau qui prend de la valeur finalement. Oui, parce que le disque est sorti dans les années 90 et à cette époque-là, il y a peu de pressage et vinyle. Voilà. Oui. Donc, Saris Band, tu vois, voilà. Avec toutes les photos. Il y a une donc, ça, c'est assez récent, c'est pas très vieux, ça. Oui, non, c'est pas vieux. Ça a quelques années. 2018. 2018. Donc, tu as quand même des disques aussi qui sont récents. Ouais. Voilà. Ça, c'est le premier press avec toutes les photos. Voilà. Après, on va enchaîner sur le bac nouveauté. Et Mika me le disait tout à l'heure, il y a quelques années, je crois, dans les années 90, fin des années 90, les pressages ne se faisaient plus en vinyle. On ne pressait plus. On pressait très peu, quoi. Ah oui. Voilà, ouais. C'est pour ça que le signillon qu'on vient de vendre, je te dis, c'est devenu rare. C'est voilà. Rare, ouais. C'était pas tiré, c'était pas en vente chez Auchan. Ouais, tu comprends, voilà. Non, il y avait des coffrets de CD, mais pas de. Ouais, voilà, uniquement en CD, quoi. Uniquement en CD. Voilà. Donc, je voulais juste. Voilà, le rayon nouveauté. Dernier arrivage. Dernier arrivage, noir désir. Oh, il est beau celui-là. Alors là, celui-là, il est joli. Ouais, noir c'est désir. Un picture disc. Oh, un picture disc. Un ah, ouais. Disc ouais. Ça, c'est vraiment quasiment une œuvre d'art. Ouais, c'est un objet, vraiment, ouais, un objet de magnifique. Collection. Très joli. C'est très magnifique. Joli. Là, tu as Nelly Kravitz. Un maxi de Nelly Kravitz. Le premier sont trop maillé, mais les disques, ils sont orange. C'est un double disque couleur orange. Ouais. Ça, c'est du jazz, blues un peu, c'est super aussi. Ouais. Voilà, on continue. Et après, on est surtout sur du post-punk. Après, voilà, on est sur que du post-punk. Voilà, des choses relativement rares en post-punk. D'accord. Voilà, trisomie 21. Ah, je connaissais pas ça, trisomie 21. Cigarette After Sex. Ah oui. Cigarette After Sex. C'est le nom du groupe, ça. C'est le nom du groupe. Ah ouais. Ah ouais, mais ça. Poésie noire. C'est parlant, c'est parlant. Poésie noire. Ah. Voilà. On a vraiment. Tu as aussi des choses un peu plus confidentielles qui sont pas. Ouais. Tu as de tout. T'es un tube encore. Ah, John Jett. Ah, I love rock'n'roll. Ça, c'est énorme. Ah oui. Ça déchire. Ça déchire. Bananarama, une compil de Bananarama. Ouais. Il y en a pour tous les goûts, voilà, tous les goûts. Nancy Holloway. Nancy Holloway.
Nancy Holloway, elle est belle. Elle est belle, ouais. Pochette est très jolie. Elle est magnifique. Voilà, donc comme tu vois, on a des soldes dehors, on a voilà, des soldes les clients à l'intérieur, regardent, ouais, ouais. À peine 10 euros les trois. 10 euros les trois. 10 euros les trois pour des disques en bon état. Hein. Ils ne sont pas soldés parce qu'ils sont en mauvais état. Hein. Oui. Sont soldés, juste on a trop de disques, on veut en faire profiter tout le monde, ouais. Et puis rendre la boutique accessible à tout le monde. Tu donc, restes voilà. Ouvert tout l'été. Tout l'été, 10h30, midi et demi, 14h, 19h. Voilà, sauf le dimanche et lundi, voilà. Très bien. Peut-être une fermeture au mois d'août, on ne sait pas encore, on va voir. Voilà, pendant la feria, on ne sait pas encore si on reste ouvert ou pas. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien, mais merci beaucoup Marc, merci Mika. De votre après passion, vite. De nous faire découvrir tout ça. Et on vous souhaite de bon été quand même. Hein ouais. Voilà. À toi aussi, à toi demain. Aussi. À toi aussi. Et puis tu vas avoir plein d'événements. Et oui. Tu vas être vraiment débordé cet été. C'est sollicité intensément. Merci Eric. Merci, au revoir. À bientôt. Merci à toi.